Yop l'équipe, c'est Midi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, ça fait trop plaisir de la tourner, j'en ai déjà tourné une les gars, je vous la mets juste là, il y aura son lien en description, ça me fait trop plaisir de la tourner cette vidéo les gars. Vidéo anecdote du coup, vidéo anecdote de la rentrée, du coup je vais vous raconter plusieurs anecdotes, 5 je crois, et il y en aura 3 de fausses les gars, du coup il y en aura 2 de vraies et ce sera à vous de jouer les inspecteurs et de deviner laquelle est vraie, laquelle est fausse. Donc c'est parti les gars, première anecdote. Ok les gars, donc pour cette première anecdote, elle est assez courte parce que vraiment, à part dire ce qui s'est passé et tout, il n'y a pas autre chose qui s'est passé depuis. Du coup les gars, je suis dans un collège depuis 3 ans, je suis quand même en 3ème, hein, j'ai changé de collège et tout les gars. J'ai un pote que je voulais absolument être dans sa classe, ça faisait déjà 2 ans qu'on était dans la même classe, je voulais absolument être dans sa classe les gars. On a dû en parler 1000 fois, vraiment on a dû en parler 1000 fois, les gars, parce que vous savez pas, moi, les cours ils ont commencé en 3ème le 2 septembre, du coup c'était un vendredi, c'était carré les gars, parce que j'avais juste le week-end après pour me remettre de cette première journée de cours et tout, c'était carré les gars, et du coup à minuit, le vendredi, enfin entre jeudi et vendredi, je reçois un message, moi je dormais parce que les gars j'avais pas envie d'avoir des cernes comme ça le jour de la rentrée, du coup quand je me réveille je vois que mon pote il m'a envoyé un message, il me dit mec j'ai vu ma classe, je suis en 3ème 6. Et du coup moi je me dis est-ce que je garde la surprise ou pas. Je voulais absolument garder la surprise ou aller au tableau pour voir. Ah ouais je suis dans cette classe et tout, t'es en quoi et toi. Quoi dire de plus à part que les gars on a eu tous nos profs. Vraiment on a eu des profs trop sympas. On a eu plein de profs, tout le monde disait oh lui c'est un enfoiré et tout. Vraiment avec nous ils sont incroyablement gentils les gars. Et puis voilà je crois que c'est la première anecdote. N'oubliez pas qu'il y en a 2 de vrais et 3 de fausses du coup. Je vous vois jouer les inspecteurs derrière votre écran et tout, en train d'analyser mes gestes, comment je parle et tout. Et puis c'est parti, deuxième anecdote les gars. Ok les gars, donc deuxième anecdote, déjà deuxième anecdote, plus que 3 après. Du coup on arrive le 1er septembre, du coup j'étais dans la classe de mon ami et tout. Du coup j'arrive avec mon pote, on sait qu'on est dans la même classe, c'est tranquille et tout. Du coup voilà les gars, on arrive et vraiment au bout de 10 minutes on fait les 2 heures de cours. Après 2 heures de cours les gars, on a toujours un quart d'heure de récré. Et du coup là on sort et tout. Vraiment 2 minutes après la sonnerie, donc on est tous dans la cour et tout, il y a une bagarre les gars. Les gars, premier jour de la rentrée, avec mon pote, on va voir, juste pour capter qui c'est, pourquoi et tout. Et ben aucune raison. Aucune raison les gars. Troisième anecdote les gars, c'est parti. Ok les gars, troisième anecdote, du coup là ça va être une petite anecdote, je sais pas vous les gars, mais dans vos... nous dans notre collège, l'année dernière il y a dû y avoir 5 ou 6 personnes qui sont tombées dans les vapes dans toute l'année. Du coup les gars, je dis une semaine après les cours les gars, du coup on était tous, c'était enfin la pause de midi et 2 les gars. Du coup nous on marche et tout tranquille et d'un coup on voit plein de monde arriver autour de quelque chose et tout, il y a les pompiers et tout, du coup on va voir parce qu'on peut pas s'empêcher et tout, et je sais même pas ce qui a pu se passer pour qu'elle tombe dans les vapes comme ça les gars. Bref les gars, on a fini cette petite anecdote, il en reste que 2, on va en rajouter une les gars parce que j'en ai une qui me vient en tête et tout. Les gars je sais pas si vous avez bien observé le décor, je vous laisse 10 secondes. Donc les gars, si vous aviez pas remarqué les gars, je cache une petite chose qui n'était pas dans le décor avant et qui va avoir une influence sur les vidéos qu'il va y avoir prochainement les gars. Le petit élément qui va jouer sur les vidéos maintenant, c'est cette Switch les gars. C'est cette belle Switch. Donc je l'ai acheté vraiment il y a 3 jours. Du coup, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, la prochaine vidéo ce sera une vidéo gaming. Dites-moi si vous préférez un Fall Guys ou un Fortnite les gars. Ce sera un des deux du coup. N'hésitez pas à dire Fall Guys ou Fortnite, ça ferait vraiment, je suis trop chaud de faire un des deux les gars. J'attends juste vos commentaires à dire ouais trop chaud pour un Fortnite ou un Fall Guys les gars, j'attends que vos réponses.
Dites-moi même une propos de jeu de Switch, mais ce sera pas tout de suite, tout de suite. Mais là, sur cette Switch pour l'instant, j'ai Fortnite et Fall Guys, les gars. Du coup, n'hésitez pas à aller à me dire en commentaire si vous préférez un Fortnite ou un Fall Guys, les gars. Et maintenant, on passe à la quatrième anecdote, les gars. C'est déjà. Cette quatrième anecdote, on passe sur un truc qui est allé à la police, les gars. Qui est allé à la police, les gars. Du coup, je sais pas trop comment raconter cette anecdote. Parce que moi, j'étais pas trop dans l'histoire et tout. Je comprends même pas trop comment elle s'est produite et tout. Donc, les gars, c'est le matin. On arrive tous au collège, tranquille et tout. On fait nos 4 heures de cours. Après, il y a la pause de midi et deux qui arrivent. Donc, tranquille. Il y a rien qui se passe et tout. Et du coup, il manque une personne de notre classe qui était pas en cours, qui était en cours le matin, mais qui n'est pas en cours l'après-midi. Du coup, on comprend pas et tout. On se demande pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et au bout de vraiment 2 heures de cours, elle arrive en pleurant au milieu d'un cours pour aucune raison. Du coup, après, c'est la pause, c'est la récré quoi. Pendant 15 minutes, on va lui demander, mais qu'est-ce qu'il y a parce que. Ça fait 2 heures que t'étais pas là, tu pleures, explique-nous quoi. Et elle arrive et elle fait, bah, je me suis fait voler mon téléphone et tout. Et les gars, c'est allé jusqu'à la police. Donc dans la journée, elle s'est fait voler son téléphone. Avec le collège, ils ont cherché dans pratiquement toutes les classes. Elle a porté plainte à la police dans le bureau du CPE. La police est arrivée. Et vraiment, au bout de. Quoi, je dirais 1 heure, la police est arrivée, elle a retrouvé le téléphone, c'était un mec qui l'avait volé pour aucune raison. Et voilà, on passe à l'anecdote suivante, les gars. Ok, les gars, donc là, petite anecdote qui me fait pas trop sourire. Donc là, je rigole parce que je m'en rends pas trop compte parce qu'on les a fait déjà, mais ça fait mal, les gars, ça fait mal. Donc si vous voulez, je tourne cette vidéo le 27 ou 28, le mercredi avant le samedi où vous verrez cette vidéo. Donc on a eu masse contrôle, les gars. Je sais même pas, j'ai jamais vu autant de contrôle en un mois. L'année dernière, en quatrième, j'ai fait peut-être 5 ou 6 contrôles dans le mois. Là, les gars, attendez, je compte puisque j'ai carrément marqué sur la feuille. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, sur les 14 contrôles, on en a fait déjà plus de la moitié. Et dans la semaine à venir, les 14 se finissent. Donc entre septembre jusqu'à début octobre, on aura fait 14 contrôles, les gars. Donc je comprends même pas comment c'est possible. On dirait qu'il y a presque eu un contrôle par jour, tellement il y en a eu. Je ne comprends pas, les gars. Les gars, je suis désolé, en histoire c'est déjà un truc de ouf. On a fait 2 contrôles. En art plastique, on a fait 2. Vraiment dans toutes les matières, j'ai l'impression. Physique, SVT. Hier, j'ai passé un contrôle en physique. Et aujourd'hui, j'ai passé un contrôle en SVT, les gars. Donc je vous avoue que j'ai l'impression qu'il y a des contrôles qui s'enchaînent chaque jour. Demain, je pense, j'ai un contrôle en anglais. Et puis voilà, les gars. Bah, ça picote un peu, les gars. Hein. Je vous avoue, on revient de 2 mois de vacances. J'étais pas parti pour. Réviser autant et travailler autant. Mais bon, pour l'instant ça passe les gars, j'ai 16,50 de moyenne, je me suis débrouillé de ouf les gars. Je me suis. Vraiment j'ai tryhard comme un porc en fait. J'ai tryhard comme un porc. Puis voilà les gars, fin de cette anecdote. Ok les gars, donc là je vais en rajouter peut-être une fausse ou une vraie. C'est à vous de deviner les gars. Cette petite anecdote, bah, pour vous mettre dans le contexte, elle s'est passée hier. Donc les gars, cette petite anecdote s'est passée hier. Si vous voulez, il y a une traîne en ce moment avec... vous prenez une chope à la cantine, faites comme ça. Chope! Et vous explosez la chope contre la table. Et là, hier, il s'est passé un truc, c'est que quelqu'un l'a fait. Mais vraiment, là en ce moment, il y en a un par jour qui le fait, vraiment. Et là, vraiment, il y a tout le monde du collège qui est en train d'aller en rapport ou je sais pas où, ils l'ont fait, les gars. Du coup, voilà, c'était la petite parenthèse. Dites-moi si c'était une vraie ou fausse. Du coup, les.
J'ai raconté toutes les anecdotes. Donc là, en fait, je viens de compter. Il y en a trois vraies et trois fausses. Donc, vous avez... en fait, vous, les gars, vous avez 3 chances sur 6 d'avoir tout juste. Donc, déjà, les gars, mettez vos pronos en commentaire. N'hésitez pas aussi à dire quel jeu vous voulez. C'est important pour voir quelle vidéo vous préférez et tout. Sinon, les gars, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? À part que, les gars, je vais vous dire les anecdotes vraies ou fausses de la première à la dernière. D'accord, les gars? Deuxième anecdote, les gars, donc celle-là était fausse. C'était laquelle? C'était la première bagarre au collège, directement le premier jour. Troisième anecdote, du coup, c'était la personne qui tombait dans les pommes, les gars, au collège. Et ben, c'était faux, les gars, vraiment. La quatrième anecdote, donc le vol de téléphone, c'était faux aussi, les gars. Ne volez quand même pas les téléphones, tout ce qui est de valeur, même ce qui n'est pas de valeur, les gars, ça vous appartient pas si vous le volez. N'hésitez pas à ne pas voler, en fait, les gars. C'est déconseillé, vraiment, les gars. Et puis, ça peut vraiment aller jusqu'à la police ou quoi, donc vraiment, faites pas ça. Et les gars, cinquième anecdote, donc le nombre de contrôles, c'était vrai. J'aurais aimé que ce soit une fausse, mais c'est vrai. C'est une bien fausse. C'est une belle anecdote vraie et ça me fend le cœur. Hein. Les gars. Comment dire, les gars? J'ai eu. Je sais plus combien j'ai dit. 14 contrôles? 14 contrôles, ouais. Je pense que c'est ça. 14 contrôles en un mois, c'est énorme, les gars. Ça fait comme si je faisais les premières 2 semaines que de la révision, que des cours et tout. La deuxième, les 2 autres semaines. Que des contrôles. En fait, c'est ça, hein, j'ai l'impression. Du coup, voilà, les gars. Sixième anecdote, celle que j'ai rajoutée, les gars, c'était celle de la chope. Celle-là est vraie aussi. Donc, voilà, les gars. Je vous ai. Du coup, on répète. 1er septembre, le NT, c'est vrai. La deuxième, la troisième, la quatrième, c'est faux. Et la cinquième et la sixième, c'est vrai, les gars. Je vous les mets juste là ou juste après que j'ai fini de parler, les gars, pour que vous puissiez vérifier. Vos pronos et dites-moi combien vous avez eu de juste sur les 6 anecdotes et n'hésitez pas à liker, commenter, à partager, ça ferait trop plaisir les gars. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à la Truite des Alpes, donc je vous mettrai sa chaîne en description en lien juste ici, non juste en description on a dit, donc juste là je vous mets son nom juste là, son Insta ici. Qui d'autre Donc Zagji les gars, Zagji qui est arrivé sur YouTube il n'y a pas très longtemps, qui fait des vidéos de Geometry Dash. Moi aussi si vous voudriez que je vous fasse des petites vidéos de Geometry Dash. Sinon quoi, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner et à partager cette vidéo, ça fait tellement plaisir les gars. Et on se retrouve dans une semaine pour une prochaine vidéo les gars. Bye bye!